Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, content de vous retrouver, toujours à la recherche du meilleur deck, et je pense que celui-là n'est pas trop mal. On est sur un deck très 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 solide, utilisé par les meilleurs joueurs, très content, putain, ce deck c'est le bon, je vous le dis, ce deck c'est le bon, on va enfin rusher nos trophées, avec ce deck je l'espère. On est sur un petit deck géant, cimetière, pas de sort de gel, malheureusement ou heureusement, je sais pas, deck très sympa. J'aime bien parce que le géant sorcière qui fait très très mal, c'est un combo qu'on retrouve en début de, en début du jeu. Tu peux très bien commencer Clash Royale avec le géant sorcière, ça marche vraiment bien. Et on a également le cimetière qui peut surprendre l'adversaire. Alors voilà, c'est bien de garder, je pense, une petite surprise pour l'adversaire. Ok, là je pense qu'il vient de faire une bêtise en mettant... Bon, il a pas fait exprès, je pense qu'il a pas fait gaffe. Du coup, on va directement punir avec le cimetière. Je vous le dis, pour ceux qui suivent un peu mes aventures, mes péripéties... j'ai rushé les 7496 trophées, je vous montrerai le screen après, c'est horrible. Et du coup, j'ai pas atteint les 7500, du coup je suis redescendu à 7000 et je suis en mode putain, il faut que je change de deck. J'ai rushé avec le ballon bûcheron rage, qui est une carte, enfin qui est un combo très sympa, mais j'ai tilté, enfin j'ai pété un câble. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis à la recherche, non pas de l'amour, quoique, peut-être, mais... on est quand même à la recherche d'un bon deck pour pouvoir justement rusher les trophées. Et je pense qu'un petit deck cimetière, ça peut faire le travail. Alors, pas de sort de gel, c'est pas grave. Il y a des versions quand même avec sort de gel. Enfin bref, il y a plein de versions sur le cimetière. Et je pense que cette version est quand même bien. Là, ça joue sort de foudre. Donc, le sort de foudre, quand même chiant. Ok. Alors, on va juste mettre les petites... Alors, le problème, c'est que là... là, j'ai pas grand-chose à faire. On va mettre les fléchettes des bois... Je peux pas avoir non plus 50 millions d'élixir le frérot. Il a pas mis de sort de foot, ça c'est la bonne nouvelle. Ok. Et là on va se prendre un prince ténébreux qui sort de je ne sais où. Juste, on va se prendre un bûcheron pardon. Tac. Ok. What? Oh là 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 là, le bûcheron qui reste en vie. Bon frérot, quelle belle journée les gars. Embrassons-nous, faisons-nous des câlins. Oh non frérot, ça commence. Putain, le cauchemar les gars, le cauchemar que j'ai vécu. Oh, donc là. Là frérot, quand même, il est trop serein, il est trop serein le pote. Calmez votre pote, calmez votre pote. Ok, il va vraiment partir à droite parce qu'en fait il a le sort de foudre. Du coup il est serein le frérot, serein comme Jaja. Mais là j'ai pas de choix, il faut absolument que je punisse là. Vous voulez que je fasse quoi sinon? Vous voulez que je défende? Comment tu veux que je défende ça? Avec son vieux bûcheron là, éclaté au sol. Je suis rageux, désolé les gars, on est un peu rageux. Rageux sur les bords. Pas que sur les bords, mais t'as compris. What? Non, il rejoint. Putain, quel toxique. Quel joueur toxique. En plus, là, il y a le bûcheron qui tape, je peux rien faire. Il y a un bûcheron à droite. Allô, allô, allô. Les gars, on va jouer. Non, mais c'est pas possible. On va changer la vidéo, j'y crois pas. Non, mais je me fais chier, les gars. Je trouve un deck parfait. Il m'avait l'air pas mal, 3.8. Enfin, un deck, voilà, deck de top champion. Le gars est top 5 monde avec ça. Et on se fait laver, les gars. On se fait laver, on se prend la douche. Là on s'est fait frotter les jambes. Là on s'est fait frotter les orteils frérot. C'est pas possible, c'est pas possible les mecs. Oh là 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 là, golem. Ouais mais golem, j'ai l'impression que c'est comme Molo. C'est soit ça passe, soit ça casse. Après, golem, putain quand tu joues golem. Parfois tu te fais péter tu te fais péter dessus, les McFly. Les jambombeurs, oh frérot lui je l'aime bien. Lui c'est un copain, allez c'est un copain. On va envoyer directement le géant cimetière. C'est un frérot. Alors oui on est en train de péter un câble mais c'est pas grave. Il y en a marre les gars, il y en a marre, ok, ça joue chauve-souris, gang, ok, on a pris 300 dégâts, c'est de la merde mais c'est pas grave, début de partie, ok, ça joue spawner, why not, parce qu'en vrai, ça me dérange pas, je pense, on a la sorcière, et si on rush dans cette vidéo, c'est incroyable, ça commence très mal, mais c'est souvent comme ça la vie, ça commence mal, et ensuite, ça finit encore plus mal, ça peut pas finir plus mal, parce que c'est, je peux pas descendre en dessous des 7000, mais honnêtement, il y a que des gens très forts, et donc, au moins, les games sont belles. Enfin, du moins, j'espère. Ok. La sorcière. Bonne chance, frérot. On est contre McFly et Carlito, quand même, les gars. McFly et Carlito. Le millionnaire en abonnés sur YouTube. Je sais même pas combien ils ont. Putain, les gars, en termes d'abonnés, je suis nul. Je sais même pas combien ils ont. Moi, je dirais 6. Ils ont 6 millions ou 10? Je sais pas. Ok. Ils ont 7 millions. 7 millions d'abonnés. Ok. Yes, le géant qui a duré environ 15 secondes. Parfait ça. Nickel. Un petit coup.
Ok. Malheureusement, on n'a pas de bûche. La bûche aurait été très utile ici. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, frérot! C'est pas la bonne direction, là! Il aurait dû aller sur les gobelins, ce trouduc. Oh là 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 là, les gars. Est-ce que vous vous reconnaissez dans mes gameplays? Je suis le youtubeur du peuple. Vous me reconnaissez dans les gameplays? Non, mais c'est vrai. Des fois, tu joues bien tout ça et tu te fais laver. Allez, prends la tour centrale. Mais frère, elle a fait un petit pas. Elle a fait un petit pas pour pas déclencher la tour centrale. Mais complotiste. Non, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, mec. C'est un truc de fou, elle a fait un petit pas. Et du coup, ça n'a pas déclenché la... Putain, les mecs, j'ai le seum. L'année commence mal, là, c'est pas possible. Allez, on y croit. Oh, j'ai mis le géant à droite. Bon, c'est pas grave, c'est peut-être une bonne chose, j'ai pas fait gaffe. Je l'ai mis à gauche au lieu de le mettre à droite. Allez, poteau. C'est terminé, je le dis. C'est la fin. C'est la fin des haricots. Putain, on arrive à se prendre des dégâts sur l'esprit de feu alors que j'ai défendu. Bon, bref, s'en fout. De toute façon, on va le défoncer. Karma, karma, karma. Ok, est-ce qu'on peut jouer un cimetière un jour ou pas? Ou pas mécano? Vous avez le droit de vous désabonner de la chaîne pour cette blague. Qui était pas une blague. Ah, il est bon, hein. Ah, il est bon, hein. Dans la toxicité, il est bon. Dans le genre toxique, il est bon, le frérot. Il envoie de la cabane partout. Il envoie de la cabane. En veux-tu, en voilà. Je voudrais 3 gobelins, s'il vous plaît. On est à couille qu'on est sur Clash Royale, là. Putain, je voulais... Mais les gars, je vous jure que c'est vrai, je voulais le mettre à gauche. C'est un truc de fou. Il voulait voter à droite, il a voté à gauche. Le gars, il se trompe dans les trucs logiques. Terrible. Ok. Ok. C'est pas mal. Yes. Bah écoute. Ténébreux. On va la win, mais ça va être chiant, quoi. Ça va être long. La mayonnaise va monter, mais pas tout de suite. La mayonnaise... La mayonnaise va monter, mais dans 20 heures, quoi. Oh, ça, c'était joli, par contre. Là, les chauves-souris. J'ai l'impression que le géant, il va me faire gagner beaucoup de trophées cette année. J'ai l'impression que le géant, c'est vraiment mon gars sûr. Allez, mon gars sûr, allez. Oui, oui, t'es grand. T'es grand, t'es grand, t'es grand. Oui, la sorcière, t'es grande. Bon, je fais tout le temps la même chose, par contre, frérot. Non. Bon, ça m'a saoulé, ça m'a officiellement saoulé. Je déclare la saison des raclettes ouvertes. Pas du tout, je déclare la saison de la vengeance ouverte. Voilà, bébé. Putain, mais la Valkyrie, elle tank sa race. Allez, vas-y, bébé, pète-moi le cul, vas-y. Non, putain, c'est bon, c'est la phrase à dire. Ceux qui n'ont pas la ref de Mohamed Denis, allez voir Mohamed Denis. Une grosse dédicace à Mohamed Denis. Ceux qui n'ont pas la ref, les gars, je suis désolé. Allez, ça termine avec la boule de neige. Bravo, bébé. Oh putain, les gars, j'ai l'impression qu'on a gravi le Mont Blanc là. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, gagner à Clash Royale c'est compliqué, mais tout le reste dans ta vie c'est simple. Je vous jure, c'est vrai. Alors attendez, j'ai une théorie, les gars, j'ai une théorie. Sur Clash Royale, et comme au tennis, comme au foot, enfin n'importe où, tu te bats contre quelqu'un, donc il n'y a qu'un gagnant. Donc tu dois être meilleur que l'autre, absolument, t'as qu'un gagnant. Mais dans tout le reste de ta vie, frère, c'est trop simple. Parce que, bon après, oui, si t'es en université et qu'ils en prennent 5%, faut être dans les 5%, mais t'as compris, quoi. Et genre, après, tout le reste, genre faire du sport et tout, t'as juste à te motiver et c'est bon. Mais Clash Royale, tu dois battre quelqu'un, c'est pour ça que c'est chaud, c'est pour ça que des fois on perd, parce que faut battre quelqu'un, en fait. Faut juste battre quelqu'un, donc, enfin, il faut battre quelqu'un, c'est pour ça que c'est compliqué, je trouve. C'est pour ça que, voilà, après, on peut relativiser en disant, putain, mais c'est simple, en fait, de faire tout le reste, parce que battre quelqu'un en 1v1, c'est compliqué. Voilà. Battre quelqu'un en 1v1, ça reste compliqué pour moi, parce qu'il faut être meilleur, quoi. Est-ce qu'on peut juste ne pas se faire défoncer, là? On va, je pense, mettre... l'armée de Skuske. Putain, ils ont mis du temps à prendre la tour, hein. Voilà, parfait. Il a attendu. Nice, ok. Je sais pas si c'était le meilleur choix, mais... Est-ce que vous avez compris le raisonnement? En vrai, c'est vrai quand tu y penses... En fait, toutes les batailles contre toi-même, entre guillemets, c'est facile. Après, pour moi, hein, pour moi, c'est facile. Mais battre un gars en 1v1, putain, l'enfer, les gars. Après, tu peux être meilleur et tout. Et c'est vrai que là, on est à 7000, donc c'est des légendes, quoi. C'est des Michael Jackson du Clash Royale. Mais voilà. J'espère que vous avez compris le principe. Et après, c'est vrai que tu te dis, bah, c'est facile, au final, de changer quelques 2-3 détails dans ma vie. Ce qui est compliqué, c'est de battre un mec sur Clash Royale, soyons honnêtes. Ok, bon, bah là, c'est chiant. On va mettre le géant en tank. Mandela. On va battre Mandela, les gars. Let's go.
Mandela le Brésilien. Il a un drapeau brésilien, le frérot. Ok. Ok, ok. Allez, vas-y. Nice. Ok, des gros DPS là. Vas-y, pète-moi le méga chevalier. Voilà, magnifique. Putain, on a pris une value, frérot, là. Value exceptionnelle. Quoi de mieux qu'un petit géant cimetière dans le coin, la Nem Sensei 2017. Ceux qu'on la rêve, dites-moi en commentaire. Ceux qu'on la rêve, vous êtes vraiment les boss ultimes. Oh là là, géant cimetière dans le coin, putain, mais ça nous pète des tours, ça. Ça nous pète de la tour, bébé. Ça, on aime bien. J'aime bien péter de la tour. Et pas que de la tour. Du géant royal aussi. J'aime bien péter du géant royal. Ok. Bon. Cette vidéo, moins de 25, là. Tac. Ok. Allez, change de focus. Oh là là là, oh là 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 là, il est inarrêtable, ça y est. Il est inarrêtable, frérot. Désolé, les gars, je sais même pas pour montrer les bibis. J'ai fait les jambes en plus aujourd'hui. Oh. C'est bon. C'est bon, ça prend en haut. Voilà, bébé, c'est simple la vie. C'est simple quand vous suivez mes conseils. Patient, patience. Il y a quoi d'autre en conseil? Patience. Bon, bref, ça m'a saoulé. Patience. Le gars n'est pas patient. Le pire mec, pas patient. Templier. Putain, mais les gars, il y a que des jeux de mots là. Pourquoi il y a que des jeux de mots en face de nous? Pourquoi il y a que des gars qui ont des jeux de mots dans leur pseudo? Il y a eu Mandela, il y a eu... Bon, bref. Bon, jeu de mots, c'était pas un Mandela. Bon, bref, ouais, j'arrête de parler. C'est bon, j'arrête de parler, les gars. J'arrête de parler, c'est... Je suis toxique. J'arrête de parler, je suis toxique. Je vais juste mettre des emotes. Oh, 3 momous. Bah, je pense qu'on a un bon match-up. Est-ce que ça défend? Oh, Ténébreux, il se met bien. Non, mais qu'est-ce qu'il fout? Trou duc. Mais quel trou duc? Mais c'est pas possible, il s'est arrêté. Mais non, mais... Mais il s'est arrêté juste devant, il joue géant. Oh là là, où c'est qu'il a trouvé ce deck, le frérot? Peut-être sur ma chaîne. Allez, t'as quoi? T'as rien. T'as rien, frérot. Oh, on a pas pris le gobelin de droite. Le seum. Chaque gobelin est important, les gars. Ok, bon. Allez, je suis add-on, frérot, je suis add-on. C'est gratuit, Templier, juste pour ton... Ok, c'est pas mal. Ça joue cochon royal, trois mousquetaires. Alors là, vraiment, la brutalité n'est jamais finie. C'est pas la piraterie n'est jamais finie, c'est la brutalité n'est jamais finie. Est-ce que t'as déjà vu une brute pareille? Manquerait plus qu'il joue ballon, et là, ce serait la brute ultime. Bon, là, par contre, frérot, ça passe. Je suis désolé. Là, si ça passe pas, je ne comprends pas. Il y a 46 élixirs. Allez, voilà bébé, pète-moi la tour. Kick de tower. Ok, n'attire pas la tour centrale, bon de toute façon ça change rien. Mais voilà. Putain, mais c'est pas... Voilà, c'est simple en fait. En fait, faut pas se prendre la tête. Faut pas se prendre la tête. Bon, juste... quand tu fais une descente à da comme j'ai fait, 7496, 7000... Là, ça fait mal au cœur. Là, tu te prends la tête, mais voilà. Sinon, le reste du temps... Ah, mais il a pas... Putain, je crois qu'il avait give up. Il a pas give up du tout, le frérot, en fait. Ok, ça joue la bûche. Ok. Ça va. Ténébreux. La ténébreuse. La princesse ténébreuse. Putain, les gars, nouvelle carte. Je veux la princesse ténébreuse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Clash Royale, faites-moi cette faveur. Je veux une princesse ténébreuse sur Clash Royale. Please. Bon, on est bien. Même en faisant de n'importe quoi, on avait tellement d'avance. Le deck est tellement bon en même temps. Quand vous trouvez vos decks sur ma chaîne, les gars, c'est que des vrais decks. Par contre, les gameplays parfois sont pas bons. Mais c'est garanti 100% de bons decks. Hein. C'est ça qui est incroyable en fait. C'est que des fois, tu te dis putain, mais ils sont nuls les decks de la chaîne de Trapa. Non, non, c'est juste que le joueur est nul. Non, non, les gars, je suis nul quand je joue pas bien. Bon, bref. Allez, philosophez sur cette phrase. Je suis nul quand je joue pas bien. Quand je joue bien, je suis un monstre. On connaît. Allez, petite victoire, on est pas mal là, on est pas mal. Quel plaisir. Ah, mais bien joué, frérot. Moi, je suis dans la team Brésil aussi. Rappelez-vous pourquoi, j'avais mis une petite... Putain, mais qu'à 7060. Oh. Putain, c'est long, hein. Pandaman. Infinity, merci, ok. Bonne chance. Il m'a fait roter, le copain, là. J'ai lu son pseudo, chelou. Ok.
Allez, prince ténébreux contre prince ténébreux. La princesse ténébreuse, les gars. Nouvelle carte, je vous ai rien dit. Je vous ai rien dit. Il va y avoir des rumeurs partout. Un créateur partenaire Supercell leak la carte. La princesse ténébreuse. Ce sera incroyable. Oh, je vote direct. C'est pas mal. On lui a fait sortir son truc. Enfin, voilà quoi. Son géant. Oh les gars, putain, mais... Oh là, cette chaîne devient n'importe quoi. Ah bah oui, mais... Non, mais lui c'est un fou aussi. Comment on défend cette bouse, là? En le défendant pas. Oh oui, j'aime bien ça. Comme ça, voilà. Et voilà. Comment défendre? Tu défends pas. Droit au but, comme l'OM. Ah, bien joué. Ah, il m'a défoncé. Ah! Dommage. Ouais, frérot, t'as quoi? Il a plus le... Même s'il a le gang, ça défend pas. Putain, les chauves-souris, mais forcément! Les chauves-souris! Bannissez-moi ça, Clash Royale! Le gars, il veut tout bannir. Chaque carte qu'il défonce, il veut bannir. Et c'est bon, ça dégage. Frérot, respecte-toi un peu. Ça va, il a gratté à droite, à gauche. On n'est pas si dégueu que ça. On est dégueu. Mais pas autant que ça. On aurait pu faire pire. On aurait pu faire bien pire. Croyez-moi. Sorcière. On lui fait croire qu'on a 10 d'élixir. C'est la stratégie. Ça marche tout le temps. La stratégie qui m'a connu... Oh merde. La stratégie qui m'a rendu célèbre aux États-Unis, les gars, c'est ça. La stratégie de lui faire croire qu'on est à 10 alors que pas du tout. Ok. Là, faut quand même tenir compte de ce qui se passe sur le terrain. Sur le terre-terre. Je vais me faire défoncer, les gars. Non, on a perdu, bien joué. Bien joué, là, j'ai avec les sapeurs. Est-ce que l'archémagique serait pas un counter? Putain, on va redescendre en trophée, mais on est nul, les gars! On est nul à chier, c'est grave! Non, c'est grave, et là il va nous prendre la tour, non mais voilà. Chauve-souris, tout ça, dragon de l'enfer. Putain, on avait même pas visé les flèches, quoi. Je pensais qu'il allait mettre des chauves-souris. Oh! Putain! Les decks sont bons, les mecs! Il y a juste un problème dans les calculs, quoi. Non mais franchement, les gars, vous savez quoi? Je suis honnête avec vous. Là, vraiment, il n'y a que des gars qui ont la dalle. Ils boufferaient même ce crayon. Ils mangeraient même ce crayon parce qu'ils ont la dalle. Ils veulent les 7500. Ils veulent terminer le ladder. Je vous garantis que c'est vrai. On fait deux dernières games dans le mode normal, la Hall des légendes. C'est que des gens, entre guillemets, qui ont un bon niveau. Voilà, on va les défoncer. Pourquoi? C'est simple. Parce que là, c'est des gros bourrins, je vous le dis, à 7000, c'est que des gros bourrins, ça fait 3 vidéos qu'on fait à 7000, on se fait laver, mais parce qu'il n'y a que des gens très très forts, là c'est que des Rafael Nadal du Clash Royale, là on va être contre des, voilà, contre des gens normaux, enfin des gens normaux, putain, ça fait une semaine que je joue dans ce mode, je crois que ça fait, non ça fait un mois les gars que j'ai pas joué dans ce mode, là on va revivre frère, je te jure on va revivre. Oh putain, pourquoi je l'ai pas fait avant? Là c'est du plaisir, là on va mettre des petites claques comme ça, enfin des grosses claques. Là, ça va être incroyable. Ok, voilà, ça joue chevaucheur. Pas de soucis, ça joue... voilà, pas de soucis, frérot. On défonce tout. On est trop chaud, chaud comme le 1er août. Allez, ça dégage. Merci. Petite victoire. Voilà, j'adore les petites victoires, effectivement. Mais voilà, les gars, faut être honnête. C'est pour ça qu'on se fait laver depuis un mois sur la chaîne. On joue que à plus de 7000. Et voilà, là, tu veux faire quoi? Tu veux un petit cimetière gargouille? Tiens. Allez, hop. C'est pour moi, ça régale. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un petit prince célèbre à gauche? C'est pour moi, ça régale. Voilà, putain, enfin des gens normaux, les gars. Ouh, putain, c'est chaud, hein. C'est chaud. Bon, là, il m'a fait tourner la tête, le frérot, par contre, le poteau. Non, mais voilà, soyons honnêtes, ça va dépendre de ton adversaire. Clash Royale, jeu de 1v1. Rafael Nadal, compliqué. Gens normaux, on les détruit, voilà. Je peux même jouer avec le nez, si tu veux. Allez, boule de nez sur sa tour. Allez, hop. Bon, là, je troll un peu, là. Faut pas non plus... Faut pas abuser, quand même, là. Faut pas abuser, les gars. On abuse pas, s'il vous plaît. On abuse pas. On reste tranquille. Ouais, faut quand même rester tranquille. Parce que là, 2 d'élixir, faut pas... Voilà, faut pas pousser mémé. On a gratté à droite et à gauche. Ok. Et le problème, c'est que, voilà, on a toujours pas pris la tour. Oh, la clim, frère. Je me suis auto-mine clim. Ok, pourquoi pas. L'idée, c'est vraiment de garder en vie la sorcière.
La grosse sorcière, le vampire. Oh, j'ai loupé la boule de neige, frère, j'ai loupé deux boules de neige. Appelez-moi Courchevel, les gars. Appelez-moi la Mongie. Appelez-moi le nom d'une station de ski. Je loupe toutes les boules de neige, frère. Ah ouais, mais bien joué, j'ai bien fait de pas mettre ça. Voilà, bien joué, frérot. T'as cru. Frère, t'as cru. T'es contre un mec qui a 7000 trophées, là. T'es pas contre n'importe qui, mon pote, là. Tu t'es pris pour qui? Non, mais il s'est pris pour qui, lui, sans déconner, à faire un pré-shot comme ça. Voilà, même moi, si je loupe les boules de neige, regarde, celle-là, je la loupe pas. Celle-là, elle est importante. Je ne loupe pas les moments importants dans ma vie. Voilà, il n'y a plus de bûches. Là, on peut envoyer l'armée squelette à droite. On peut même mettre une flèche avec le nez. On s'en fout. Voilà, on s'en fout. Là, c'est facile contre des gens normaux. Mais putain, mais je suis que contre des Raphaël Nadal, les gars. Je vais devenir fou, en vrai. Voilà, là, c'est facile, les vidéos. Voilà, là, c'est bien. Oh là 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 là. Mais pourquoi je joue dans ce ladder? Il n'y a que des requins. Il n'y a que des requins, les mecs, je vous le dis. Que des requins baleines. Putain, je vais avoir la gueule d'un requin baleine. Ah ouais, putain, il est stylé. Hein. Ah ouais, il est stylé. Ah ouais, je vous mets une photo là, les gars. Attendez. Oh, il est stylé. Putain, avec sa grande bouche là. Attendez, on va revenir en mode ladder. Voilà, c'était juste pour vous montrer que c'était quand même très compliqué. Alors, regardez-moi cette masterclass là. Putain, il est stylé. Hein. Bon, c'est pas la photo la plus stylée. Putain, il bouffe tous les poissons, frère. Incroyable. Oh là là, les photos de fou. Ouais, c'est en Australie, ok. Ok, ok. Bon, bref, incroyable. Qu'est-ce qu'il aura en, peut-être une Valkyrie en dégâts de zone. Ok. Là, on peut mettre ça. On peut mettre quelques patates, pourquoi pas, aux gobelins. Non, pas du tout. C'est pas grave, on est contre un barbare. Bon, tu sais quoi, on y va direct. Hein, c'est bon, il a rien. Il joue Lockbait. Bon, il a la sorcière, c'est chiant. Là, il n'y a plus rien. Voilà, magnifique. Méga chevalier. Ouh là 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 là, ouais, on est de retour contre les requins, les gars. On est de retour dans le grand bain, là. Putain, mais pourquoi je joue, les gars? Je jure, pourquoi je joue à ce nombre de trophées, soyons honnêtes. Pourquoi je vais pas normalement dans un deuxième compte? Bon, c'est GG, hein. Bon, elle a gagné. Voilà, les gars, bon, ça m'a saoulé. Bon, je vous embrasse, vous êtes les meilleurs. Gros bisous, la prochaine vidéo, je pense, c'est le fameux rush 7500. Il faut vraiment que je le fasse, les gars. Pour mon honneur, il faut qu'on termine. Bien joué Moutez, super pseudo, des bisous et on se retrouve tous les jours sur la chaîne. Merci beaucoup à vous d'être là, ça fait plaisir. Le code Trapa, le cœur, code Trapa dans la boutique, et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.